Bonjour, je suis Eric Buisse, Minecraft Café Factory 3. Alors, il s'est passé plusieurs affaires depuis la dernière fois que j'ai joué. Ça m'a pris un peu plus de temps que je pensais tout traiter, mais le contenu que j'avais enregistré il y a quelques semaines. Et là, maintenant, c'est fait. Puis, il s'est passé toutes sortes de choses entre-temps. Donc, j'ai une mise à jour du mode pack. Je suis rendu à 3.0.15 maintenant. Puis, là, il y a moins de lag. Ça a l'air d'avoir aidé, ça. J'ai aussi placé des Traveling Cores à différents endroits de ma base. J'ai mis dans les tours. Là, je ne retrouve plus. Il est là. Alors, je me mets le pied dessus. Là, je peux aller à l'autre tour aussi. Ça, c'est ma salle de contrôle. Ça, c'est ma future salle de Botania. J'ai amené du réseau Refine Storage jusqu'ici. Et voilà. C'est ici. Il y a du Refine Storage. Ça, éventuellement, ça va être ma salle Draconic. Il n'y a rien dedans en ce moment. Mais quand je vais commencer Draconic Evolution, je vais m'installer ici. On va avoir un petit bout, ça va se faire peut-être un jour. Puis ça, c'est ma salle immersive. Puis là, je reviens dans ma salle de contrôle. C'est pas mal plus rapide que de se promener là-bas, hein? Ah, c'est vraiment mieux. Alors là, puis une autre affaire que j'ai fait aussi, entre-temps, j'ai recommencé à jouer avec Psy. J'ai décidé de faire comme Integrated Dynamics, puis j'ai fait des tutoriels pas en enregistrant, parce que de toute façon, c'est plate, ces tutoriels-là, de voir les. Puis il y a plein de gens qui les ont déjà fait mieux que ce que je pourrais faire. Donc là, je suis rendu au niveau Greater Infusion. Je peux faire d'infusion de Psy Metal. Jamais je vais aller tester ça. Alors, on va réviser ça. Alors là, je vais m'installer. Je vais me faire un spell bullet. Encore un coup. Ok. Spell bullet. Ça, c'est-tu. Ah, ça, c'est un loop casting. Je vais faire un spell bullet ordinaire. Je le prends. Je vais venir sur un de mes programmeurs. J'en ai fait plusieurs parce que je voulais garder des traces de mes programmes. J'ai un blink ici. J'ai un. Bang Projectile, puis un. Ah, le build war, je vais le montrer. Mais le blink, on peut le montrer, il est simple. Oups, je vais l'effacer après. Alors, c'est un trick que j'ai découvert, à force de faire des tutoriels. Blink. Il y a besoin d'une cible. Donc, j'ai mis moi-même. Puis, une distance. Puis, ça te téléporte dans la direction que tu regardes. C'est pas super utile, mais c'est là pareil. On l'efface. À la place de ça, je vais prendre le trick Greater Infusion. Je vais me tester si je peux faire d'autres infusions avec que juste les Psy Gems. Ebony Ivory, il paraît que ça marche juste dans le End. Je ne suis pas encore prêt à aller dans le End. Mais un jour, on va y aller. Ça, c'est sûr. Greater Infusion. Voilà. Ça ne prend aucun paramètre. Ça prend juste ça. Il faut juste aller charger dans un spell bullet. On right-click. En passant, aussi, une autre chose que j'ai fait, j'ai upgradé mon gun. Là, il est rendu en Casting Infusion. Il est rendu en Casting Assistant Device. J'ai tout fait les composantes de deuxième niveau qui sont en Psy Metal. Donc, c'est avantageux parce que là, j'ai plus de potency. Puis, j'ai 8 fentes au lieu de 4. Faut que j'en enlève une. Smite, Jump, Bang Projectile, Tree Capitator, Infusion. Move up, blink. Voilà, le move up n'est pas super intéressant. On va l'enlever. On va mettre celui-là à la place. La Greater Infusion. Je vais m'assurer que ça n'a pas. Mais je vais infuser quelque chose avec. On va se prendre des diamants. Ce bolette-là, je peux le serrer. On va se prendre des diamants. Ça n'en va pas, les diamants. Hein? Ouais. Prendre une pile de morceaux d'or aussi. Vérifier que ça fonctionne. Si je vois si je peux infuser du Psy Metal avec le même trick. Ok, fait que je vais juste jeter ça à terre. Donc, je vais faire un CTRL Q. Oh. Ça n'a pas marché. Ah, j'ai peut-être pas assez d'énergie. Non. Ah! Qu'est-ce que c'est ça? Error. Spell target is outside maximum 32 block range. Ah non, ok. Ah, j'ai encore fait ça.
J'ai peut-être fait du dégât, ça. Ouais, ok. Rien ici, là, il faut changer le. Il faut changer le spell, là. Ah, c'est ça, face 9. Là, je vais chercher là-dedans, je vais prendre. Oh, jump là-dessus, ça a rien, jump. Build wall, blink. Capitator, infusion. Ah, j'ai même pas Greater Infusion dedans. Non, il est pas dedans. Encore, j'allais le rechercher. Build wall, blink. Ah, ici, Greater Infusion. Bon, ok. Ça marche à coup. Contrôle Q, Shift. Ah, voilà, ok. Là, j'ai mes diamants. Mes Psy Gems. J'ai monté le niveau un peu. Je vais vérifier que le classe, ça marche. Ah, non, non, ça marche pas. Non, faut que j'ai besoin de l'autre spell. Ok. Ok, là, mon Psy, mon énergie psionique, elle a baissé. Ah, c'est probablement ça, j'ai eu des dommages. Parce que j'ai trop essayé, j'ai épuisé mon énergie psionique. Ok, là, j'ai des Psy Gems. Puis, si je regarde ici, j'ai monté de niveau. Je suis rendu avec. Tool Casting Level. Waouh. Je peux le débarrer. Ok. Mais je ne vais pas faire de psy aujourd'hui. Je vais montrer les spells que j'ai gagnés. Donc le blink. Oh là si, là. Je vais montrer le blink. Qu'est-ce qu'il fait? Je vais prendre. Pas le Tricapitator. Le jump n'est pas intéressant. Il fait juste monter en haut. Monter, ouais. Le blink ici, voilà. Le blink, tout ce qu'il fait, c'est qu'il. Il fait passer au travers des objets. Ah! Voilà, c'est ça que ça fait. Un peu comme le Traveling Core, là. Mais plus sur des plus petites distances. Je pourrais probablement le tweaker pour qu'il fasse plus grand, là. Je pense que j'aurais assez de potency pour le faire. Un autre spell aussi qui est potentiellement intéressant, mais qui fait du dégât, c'est Smite. Je me rappelle bien, c'était juste un raycast, puis que ça envoie le. Ça met le feu. Ça a mis le feu ailleurs, ça. Non, ça a juste mis le feu, là. C'est ça que ça fait, le smite. J'ai une fusion. Ça. Il va falloir que je les garde les deux, finalement. Ça, c'est pour faire le psy metal. Le blink, c'est de téléportation. Là, j'ai le smite, ici, que j'ai utilisé. Le tricapitator. Ah, le bang projectile, quand même intéressant. C'est que ça va lancer un projectile qui fait sauter quelque chose. Mettons, je vais faire sauter le mur ici. C'est quand même. Ça va le lancer où est-ce que tu. Je vais pas passer à la vite, mais ça va le lancer. Ça lance un projectile. Qui peut faire du dégât. Là, il est pas tuné pour faire du dégât. Là, je pourrais. On le monde suffit-tu pour faire du dégât, t'inquiète ça. Ah, je pense que j'ai plus le code source. Ah, j'ai plus le code source, je pense que non. Hein. J'ai mon build wall ici. Ah, ça, c'est mon build wall. Ah, il est là, mon bang projectile, cool. Ben, c'est ça qu'il fait. Donc là, mon c'est un trick explode, mais qui est installé sur un spell bullet de type projectile. Lui qui est programmé pour faire. C'est ça. Au lieu d'utiliser le caster ou le raycast, on utilise la position de. C'est ça, l'entity position. Mais le target, c'est le focal point. C'est l'endroit où est-ce que le spell est lancé. Là, ce qu'on peut faire. Là, ici, mon potency, j'étais à 70 sur 250. On peut le monter. Peut-être pas 15, là. Mais 5 devrait être 4, 3. Là, 3, on est capable. On va le monter à 3 avec le cadre que j'ai en ce moment. Fait que là, ce que je peux faire, c'est venir dans mon cadre ici. Dans mon. Comment ça s'appelle? Le cadre assembler. On va enlever le bang projectile. Puis on va le recharger. Bang projectile. Je sais pas, je me trompe. Voilà. C'est bien ça. C'est bien un projectile. Type projectile, c'est ça. C'est exactement ça. Venir le réinsérer dans mon cadre.
Là, ça va prendre plus de power, mais ça va faire quelque chose de plus intéressant comme explosion. On va essayer. Parce que ça donne à rien faire ça, des explosions qui font rien. Il va falloir que je répare ma base après que je vais l'avoir pété. On va faire péter ça de contrôler à peu près ici. Ouais. Ah là, ça fait du dégât. Voilà. Ah oui, j'ai fait plein de trous là. C'est ça. J'ai fait des trous de ma base. Mais bon, ça, je voulais montrer qu'est-ce que ça fait l'explosion là. C'est ça. J'ai fait des trous, je répare les trous. Ah, c'est même pas les bons blocs. J'ai peut-être perdu des blocs en plus en faisant ça. C'est ça, les simagrées, je fais des explosions. Là, ça... Mais ça fonctionne, au moins ça explose. Moi qui aime bien ça, les explosions. Je trouve ça drôle, l'incident à faire. Ah, ça a pété comme il faut, là. Je pense que j'ai même plus les matériaux. Faut que j'aille me rechercher des blocs pour. Je vais réparer ça, là. C'est une job pour rien. Là. Bon, j'ai réparé mon trou, là. Je voulais montrer mon dernier spell psy. J'en ai un dernier que j'ai. Celui qui est le plus intéressant que j'ai fait. Ça sert à placer. En fait, je vais le montrer ce qu'il fait parce qu'effectivement, c'est plate d'expliquer un spell. On comprend pas ce qu'il fait. Puis après ça, ben, ok, ça fait ça. Je vais prendre ça. Je vais le switcher tout de suite. J'ai vraiment pas envie de me tromper. Puis faire une autre explosion, là. Non, parce que ça va péter pas mal d'affaires, cette affaire-là. Je pensais pas que ça péterait de même. Ça a l'air de rien, ça. Fait que c'est, ouais, je vais booster le plus qu'on peut. Hein. Et non, c'était pas une bonne idée. On prend ça. On prend de l'acacia, des planches d'acacia. Je vais venir faire ça dehors. Assez loin de mes autres affaires. Puis je vais faire un. J'espère que je vais pas dire. Bon, c'est pas grave. Il continue à caster. Il place tout ce qu'il y a dans. Mais qu'est-ce que ça a fait ça? Ça a fait un mur de planches. Il a continué à placer des planches tant qu'il en avait. Donc, il a tout placé la pile de bois. On va casser, là, mais c'est ça que ça a fait. Quand même intéressant. Là. On va, ah non, je vais la casser pour le Trickapetator. Donc, j'ai un autre spell ici. On pourrait modifier un moment donné pour briser une structure. Là. Regarde l'efficacité que ça a là. Là, c'est pas du vin de main, c'est. Je suis encore pas pire en psychologie. Voilà. Ah, il en reste en haut, là. Il est pas assez puissant pour tout casser, mais on pourrait le modifier pour qu'il le soit. J'ai fini au. J'ai lâché au 20 mètres, au excavation, là, mais. Et j'ai toute ma pile de bois. Alors, comment ça fonctionne, tout ça? Je sais pas si j'ai encore le cas source du capitaine. Ici, j'ai le. Ouais, ça, j'ai le build wall, j'ai le bang projectile, puis j'ai le. Ok, j'ai peut-être le code source spell drive. J'ai deux. J'ai sauvegardé des programmes là-dessus. Ah, je l'ai, oui. Je vais pouvoir le charger dans un de mes programmateurs, oui. Wow. Comment ça fonctionnait, ça? Faut-tu faire un shift right-click? Ouais, c'est ça. Faut shift right-click et sauvegarder. On fait un shift right-click après ça pour leur loader dedans. OK! Comment ça fonctionne? Parce que le trick à peut-être est plus simple. Le trick lui-même. Faut toujours regarder c'est quoi le trick. C'est tout le temps ça qui est intéressant, c'est ce que le programme fait. Il va briser une séquence de blocs. Puis là, ça a deux paramètres. Une position, à partir de où qu'on commence à briser. Dans laquelle direction on va briser. Puis c'est quoi le nombre maximal de blocs que tu as le droit de casser? On commence par le paramètre le plus simple. Le maximum est en bas, là. Il est à zéro. Non, non, il est ici. Il ne peut pas briser plus que 5 blocs. Je pouvais pas briser plus que 5 blocs parce que je n'avais pas assez de puissance. Ça, je pourrais monter si je voulais. Là, maintenant, l'autre paramètre, le target, c'est un vecteur. On a pris un operator vector construct.
0-0 le XZ, puis 8 en target, on brise 8 blocs par en haut. Là, il est limité à 5, mais il pourrait aller jusqu'à 8. Là, je pourrais le cranker si je voulais. Là, le plus compliqué, c'est de savoir qu'est-ce qu'on où c'est qu'on commence à briser. Là, on utilise pour ça un vector raycast. Un vector raycast, on l'avait vu, ça. Je l'avais utilisé l'autre jour quand je faisais les explosions, là. On commence, on lui dit c'est quoi la traversée, de quelle position on va lancer le rayon. Entity look. Operator caster. Donc, c'est-à-dire que là, c'est en fait, non, c'est lui. La position, c'est celui du haut. C'est le entity position, c'est moi-même. On part le rayon de moi, je l'envoie dans la direction que je regarde. Le bloc que tu veux que tu frappes, mais c'est là que tu commences à détruire. C'est ça. Tu dérives par en haut. C'est ce qui fait le Tweak Appetitor. C'est un spell qu'ils m'ont demandé de faire dans le tutoriel. C'est quand même intéressant quand t'as pas d'excavate. Lui, je commence à l'aimer. Il est intéressant, lui, quand même. Alors, ça, il est un petit peu plus complexe. J'ai découvert comment les connecteurs fonctionnent aussi. Il faut juste que. C'est juste des. Il faut setter le target. Donc, lui, le target, il prend celui-là, là. Puis lui, le target, c'est le connecteur. Fait que c'est comme ça qu'on est capable de relier les choses ensemble avec ça. Non, le trick. Toujours le trick. Parce que là, il y a tellement de paramètres, là. Ça a l'air gros, mais c'est pas si que ça. Lui, c'est un place block sequence. Fait qu'il va placer des blocs. Il va prendre ça dans mon inventaire. Puis il va les mettre où ce que j'ai demandé. Ça nous prend une position. Ça nous prend un target. Ça nous prend un max. Exactement comme le break block sequence. Notre max, on a mis 9. Celui-là, il prend plus de puissance. Il prend pas tant plus de puissance que ça, pourtant. On pourrait le faire encore plus fort. On pourrait le faire encore plus fort. C'est toujours un vector construct. C'est le même principe. 0, 9, 0, 9 en Y, 0 en Z. C'est ça. Là où ça devient intéressant, c'est pour calculer d'où c'est qu'on part notre séquence. Il y a deux choses là-dedans. Il y a tout d'abord un vecteur, un raycast. Donc ça, c'est la même affaire qu'avant, Raycast, Entity Look, puis l'autre, le Entity Position, puis le Caster. Donc on lance un rayon à partir de moi-même. Puis le point que tu frappes, ben c'est là que tu commences à placer les blocs. Sauf que là, il y a un petit tweak. Je peux pas placer un bloc sur le bloc que je suis en train de regarder. On le place à côté. Alors pour le placer à côté, on va faire une somme. Puis la somme. C'est pas un petit peu compliqué parce que là, la somme que je veux faire, en fait, c'est celle-là ici. C'est le Entity Axial Look. C'est la direction globale dans laquelle je regarde. Donc, c'est, mettons, ça va être un vecteur, comment on appelle, là, pas unitaire, c'est un vecteur orthogonal, là, qui a juste une composante, là, qui a pas de. C'est zéro à part une des trois composantes. Ça veut dire si tu regardes à l'est, à l'ouest, au sud, au nord, c'est ici, là. En haut, en bas. C'est exactement ce que ça va faire. Donc, on l'ajoute à notre vecteur somme. Mais en fait, on ajoute ça, mais on le multiplie par le loop. Parce que ça, ce spell-là est destiné à marcher en fonctionnant en boucle. Comme on a vu, parce que j'ai mis dans un spell bullet de type loopcast. Il va marcher. Quand tu le pars, il va fonctionner tant que tu gardes ton cadre. Il va le faire, il le faire, il le faire, il le faire. Puis ça prend pas trop d'énergie, parce que ça prend juste l'énergie pour le partir. Après ça, il prend presque pas de power pour le répéter. Donc c'est pour ça qu'on utilise cet index de boucle-là pour affecter la position du vecteur de Actual Look. Donc plus le spell est lancé, plus qu'on va partir notre block sequence de loin. On va la partir tout le temps un bloc de plus. C'est là que ça fait un mur. Là, j'ai dû utiliser des connecteurs ici pour me relier. C'est ça mon spell. Le dernier spell que j'ai programmé avec le mod. Il va falloir en faire d'autres. Mais ça, c'est celui-là que j'ai mieux réussi. Je ne sais pas comment c'est qu'il a l'air de rentrer mes systèmes là-dedans. Oh! Pas pour vrai. Ah non! Ah non, pas pour vrai, qu'est-ce que c'est ça? Plus encore la nuit, là. Ça se peut-tu que mes drives soient pleins? Ça où mes drives, là? Ils sont ici.
Ah non, c'est pas vrai. Mes drives sont pleins, je pense. Ouais, 4000, 4000. Mais c'est quoi qu'il y a là-dedans? Je sais pas. Bon, c'est tout des pleins. Qu'est-ce qui est rentré dans ça? Je comprends pas. Ok. On peut pas inspecter les drives facilement, non, c'est ça. Ah, là, je suis pogné un peu parce que là, j'ai pas de stockage pour me refaire, là. Parce que c'est bizarre, parce que. Ah, c'est ça, c'est les PsyGems qui ont pris de la place. Ok, ouais. Ce qu'on va faire. Ouais. Ok, là, je vais montrer aussi ce que j'ai fait d'autre. J'ai. Dans ma salle de power aussi, j'ai arrangé les choses. Donc là, on a. Ici, notre batterie, ça fonctionne très très bien. L'huile, il me reste juste quelques boquettes à traiter. Puis je pense qu'il me reste 600 chaudières. Donc, ce que je me trouve à faire, ici, là, j'ai deux flux machines. J'en ai un, ça c'est le flux. Je sais jamais lequel. Là. Mais j'ai fait deux réseaux. J'ai un réseau qui est du power gen. Donc, tout ce qui produit du power. Là, t'as des flux plugs, mettons sur le panneau solaire là-bas, t'en as une sur le générateur là-bas. Lui, il est relié directement, là, mais si j'en ai des générateurs plus loin, je peux mettre des flux plugs sur le réseau PowerGen. Puis après ça, lui, le capaciteur qui fait. Il est pas très gros, il pourrait le grossir à un moment donné, là. Mais pour l'instant, il fait l'affaire. Il y a un flux plug. Sur mon réseau principal, Ericbus Network. Ce que ça me permet de faire, mais ça me permet d'avoir une batterie, c'est d'avoir. Puis là, tout, ça dit que tout mon power est fait à partir du capaciteur. Donc là, j'ai mon réseau Refine Storage qui fonctionne très bien. Alors là, comme je vois, on a un petit problème. Il va falloir. Je vais récupérer des affaires, là, les PsyJobs. Les PsyJobs, on va les enlever. On va enlever les Psy métal. On va router ça de là-dedans là, pour se faire de la place. Puis là, il va falloir. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller me programmer les recettes pour m'autocrafter des drives. On va s'en faire des bureaux. Puis après ça, ben, je vais transférer le stock. Juste pour donner une idée, là, pourquoi je l'ai pas fait avant, c'est parce que c'est mieux d'autocrafter, c'est récursif. Hein. Là, si, disons, je vais avoir la 64K, là, ça prend 3 16K. 3 16K, ça prend 4 4K. 3 3 4K. Une 4K, ça prend 1 1K. Fait que ça prend pas mal de patente. Là. Mais là, avec ça, je vais l'avoir. Puis là, je pourrais essayer de faire ça ici. Là, 500. Ah, ça, c'est les fluides. Il y en a pour les fluides aussi. Et pour l'instant, moi, c'est les. Je vais essayer de viser une 64K. Alors, c'est une cellule, ça prend du. Ah, ça, parce qu'il y a un housing à faire. Donc, si j'étais capable de me faire un 64K un storage disk, deux fois même, ça serait encore mieux. On va regarder si on peut le faire. Donc, on va prendre tout ça, on va mettre ça là-dedans. Je savais que j'allais avoir à le faire un jour, c'est sûr, c'est ça. Ça fait la même semaine d'été. Bon, je suis capable de demander maintenant un 64K storage disk deux fois. Non! Qu'est-ce que ça prend que j'ai pas? Sûrement plein d'affaires. Ah, c'est encore le silicone que j'ai pas assez. Ah. Available 16. Ah, print. Ah, des basic processeurs. Ok. Ah, ouais, toi, tu craft, toi. Ah, voilà le silicone. Il y a 128, il y a une 128 là-dedans, ça en prendrait 208. Oh. Mais je peux en avoir au moins une. Peut-être qu'une, j'ai capable. Ouais, c'est quand même une. Même pas! C'est quoi qui manque encore? Ok, ah, ça c'est encore. Ok, tout craft. Ah, c'est encore le silicone qui manque. Merde. Ah, ça c'est plate. En bas. Ok, je sais pas comment je pourrais faire devant moi. Ça, je peux pas faire des miracles. La seule affaire que je peux faire, c'est une petite passe de cochon de même. Sors de là.
Ah, j'en avais plein là-dedans. Vas-y, amuse-toi avec ça. Ok, là, je devrais faire demander mes 64K, là. Même pas! Il n'arrive pas, fin. Il me manque tout le temps quelque chose. Il manque. Ça fait faire une au moins. Hein. Ah, je peux enfin! Méchant job à faire, ça! Ouais. Ah, les planches pour réseauter, ça va dans le ça. C'est pour ça que je n'ai pas crafté ma cellule. Ah, je l'ai enfin, bon, phew! Wow! Ok, ça fait une job ça. Donc, on va la mettre dedans, au moins ça va accommoder mon système. Là, ce que je vais faire, je vais essayer de libérer mes autres drives pour pouvoir. Ah, pourquoi ça marche? Paf! J'ai 64 000 items que je peux mettre là-dedans. Youf! Parce que d'autres mes 4K, là, je pourrais les transformer. Là. Ce qu'on va faire, on se fait un. Je pense que c'est un disque. Tu as un disque manipulator, je suis pas sûr. Ouais, c'est un disque manipulator. Oui. Ça prend une machine casing. Ça prend deux storage housing. Ok. Housing, je sais pas. Ok. Et machine casing. Ok, je pense que je les ai d'autocrafter. Je l'ai. Le disk manipulator, ok. On était capable de vider un des drives. Je vais le placer quelque part, que n'importe où va faire l'affaire, du moment qu'on le place. Ouais, n'importe où. Je vais poser, là. Je vais faire dormir un peu, là. Où est-ce que je mets ça? Ça, c'est quoi? Ok, ça, c'est mon flux machin. Ah, ça, si j'ai eu besoin de la place, on va mettre le. Ah, c'est ça, tu vois, j'ai plus de place pour le mettre. Je vais pas cacher le contrôleur, je trouve ça beau. On est en haut, là. Que ça fait, ça? Là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre. Là, le disque ici, je vais le remplir. Je vais prendre ces disques-là. Ils sont pleins, là. Je vais prendre trois, parce que pourquoi trois? Parce que je peux faire trois disques avec ça. Donc, on va prendre ces disques pleins là. On va venir les mettre dans ça. Donc, il commence à prendre les données qui sont sur les disques, puis les remet dans le système. Où est-ce que ça s'en va? Je fais de la place. Comme ces disques là sont pleins, mais ça s'en va ici. Ah, même pas, c'est même bizarre. 4000, 4000. Ah, ok, lui, t'as pas encore plein, ok. Hey, c'est même pas vite ça. On va remédier, speed upgrade. Ah, je peux m'en faire. J'en ai, il peut en prendre combien les speed upgrade, le petit lémur, là. 1, 2, 3, 4. On va y en mettre 4. Ah, c'est vrai, faut pas que je me fasse avoir. Effectivement, des fois, c'est pas vrai. Ah, il me le dit. Bon, je vais en faire 4, de toute façon, c'est pas perdu. S'il marche pas, il marche pas. Ah, il peut pas y prendre encore. Tout craft, tout craft, tout craft. Ça, je peux pas. Ah, missing encore un coup. Oh! Pour vrai? Mini-call! Et puis, je peux prendre un mini-call. J'aurais plus de charbon du tout. Block of coal. Charcoal. Coal. Hein? Comment ça? Block of coal. Ah non! Ah! Pourquoi ça marche plus ça? On va y aller comme ça pour l'instant. Je sais plus qu'est-ce que je voulais crafter, là, tout ça. Là. Ouais. Ah, j'ai du silicone ici sur moi, je vais le remettre dedans. Ouais, là, speed upgrade. Speed upgrade. On vient d'en faire 4. Ah, il va pouvoir. En tout ce temps-là, là,
Il a même pas fini de vider ça. Ah non, c'est très lent. Ça n'a pas d'allure, ça. Faut faire quelque chose. Donc là, faut qu'il me saute ça, lui, en haut, là. Ouais, ça n'a pas rien à faire ça. Je peux commencer à remettre les choses aussi dedans, parce que là, j'ai de la place, là. Ouais, c'est ça. Du stock que j'avais plus de place, mais là, tout rentre. Pas prévu ça à soir, maintenant, avoir des problèmes avec ça. Ouais. Ah, voilà, c'est mieux. Mon inventaire est plus clean. Speed, upgrade. J'ai deux, je suis dans les deux autres, c'est exactement ça qui s'est produit. Je les ai faites. Je vais pouvoir venir installer ça dans cette machine-là. Ça devrait vider plus vite. Ah, non, mais ça, c'est lent. Tabarouette, ouais. Bon, ça va prendre un bout. Là. Je pense qu'il faut faire laisser aller. Là. Mais là, il commence à remplir la 64K ici. C'est ça, là. Il commence à rentrer du stock dedans. Ce que je vais faire, c'est que quand ils vont être remplis, eux autres, ces trois-là, moi, ils vont grouper. Je vais faire une 16K avec. Au lieu d'avoir un 4K. Je vais avoir des 16K. Je vais pouvoir commencer à mettre d'autres cellules de 64K dans mon. Je peux en faire une deuxième 64K? Non, je peux pas vraiment pas m'en faire une deuxième. Ah, ça, je peux toujours pas. C'est le silicone qui me bloque. Ah là, le mini-call aussi. C'est encore le dernier silicone. Ah, vais faire une modif devant pour ça. Lui, ça, il peut juste faire une stack. Ouais, je veux pas qu'il fasse 32 stacks, là. Non, ça va être trop, ça. Quoique. J'ai du power quasiment comme jeu là-dedans. Amuse-toi donc. Ouais, c'est quoi qu'il y a là? Ah, c'est. Enlève ça. Mais là, tant que tu veux. Amuse-toi. La façon dont ça va marcher. Ouais, c'est ça. Elle va tout le temps rouler. Ah, c'est ça. Donc, elle me fait de la gravelle. Ça fait du sable. Ouais, c'est ça. Elle va faire du sable. Il va crafter du silicone à vitam aeternam. Avant, je pouvais pas me le permettre, mais là, à cette heure, je peux. Amuse-toi, là. Voilà, ça règle le problème. Il y a des solutions qui sont bien simples, bien drôles, ça marche. J'ai tout. Probablement que je vais être capable de faire mon 64K. Là. Yep. Amuse-toi, fais-moi dans une. Deuxième. Hein. On va booster le stockage. Bien, ça passe donc bien vite, ça fait déjà 30 minutes encore. Fait que ça va terminer cet épisode-ci, comme ça. À la prochaine.